Wait, it's lit. Gave that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip, drip, drip. Hey yo tout le monde, c'est Airfront, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça nickel. Donc comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo les gens, aujourd'hui je vais vous montrer le pass de combat de la saison 7 simplement. Du coup là c'est vraiment c'est le premier lancement de la saison. Là voilà, c'est mon premier lancement. Du coup je lance mon jeu et on se retrouve directement à la cinématique. C'est parti les frérots. Ok, du coup là si je clique on va direct arriver sur la cinématique. Bien évidemment, n'hésitez pas avant de commencer à mettre le petit like, à vous abonner, mettre la petite cloche des notifications, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Ouais, du coup les frérots, pour ceux qui veulent acheter le pass de combat, mettez bien mon code créateur Air Force dans la boutique, ça me soutiendrait énormément, je compte sur vous les BG, voilà. Du coup c'est parti pour voir la saison 7 ainsi que le nouveau pass de combat, j'ai vraiment hâte les frérots. Ok, cinématique, c'est parti. Et là, tous les autres sont apparus. Ah ouais, sous le thème des extraterrestres, putain, c'est trop stylé, frérot. Déjà, juste là, c'est incroyable. A connu bon nombre de phénomènes inhabituels, celui-ci semble d'ores et déjà défrayer la chronique. Mais les gens, mais c'est trop stylé. Ah oui, d'accord. D'accord. C'est énorme, quoi. Non, y a Rick. Y'a Rick. Putain, mais what the fuck, y'a le skin Rick. What the fuck. Ah oui, d'accord, c'est le bordel, quoi. Wouah, frère. Wouah. Eh, mais c'est monstrueux, what the fuck. Ça par contre ils sont trop inspirés du film là, comment il s'appelle là. Oh, il y a ce skin là, comment il s'appelle là. Putain, c'est le chef des 7. Il est revenu. What the fuck. Ok, passe de combat les frérots, par contre c'est abusé par la cinématique. C'est trop stylé. Nous allons au devant d'une guerre. Mec, mais c'est abusé. Il y a trop de skins stylés. Nous nous retrouvons dos au mur. Mais la vie, il y a des trucs trop stylés, il y a des skins trop stylés. Mais what? Il y a une nouvelle arme en plus. Mais nous avons une chose. Ah là, il me tue le skin Rick. Il me tue, putain. Wouah. Que vous soyez ici depuis toujours. Ah ouais, c'est le bordel. Que vous veniez d'une étoile. Et s'ils veulent la guerre. What the fuck? Alors. François, il est pas beau. Les gens, je viens de découvrir comme vous, voilà, c'est trop stylé. C'est trop stylé, les frérots. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est trop stylé. La cinématique, elle est incroyable. Et bien évidemment que je vais acheter passe de combat. En plus, j'ai juste assez de vélos en plus, donc c'est plaisir. D'ailleurs, en parlant de passe de combat, déjà, on va déjà l'acheter. Bénamon, frérot. Logique. Voilà. Magnifique. Passe de combat déverrouillé du coup. Oh d'accord, on a le premier skin. Wow. Il me fait penser trop à Avatar lui, c'est abusé. Très très stylé comme skin en vrai. Pour le premier skin, il est trop stylé déjà. Ok, gagnez 5 étoiles de passe de combat chaque fois que vous montez un niveau. Dépensez des étoiles de combat pour obtenir des récompenses. Ok. J'ai R compris, mais vas-y. Soyez en dépensez. Ok, nickel. Ah, lingot, elle sait, je connais. Ah oui, d'accord, c'est pas du tout la même chose. Ah d'accord. D'accord, c'est clairement pas du tout la même chose. Ah oui. Ah oui, ça a totalement changé en fait. Hein. Mais c'est abusé, frère. Je comprends plus. Ah ouais, c'est abusé, putain. D'accord. Du coup, il y a que page. Donc il y a 10 pages, d'accord. D'accord, putain. D'accord, ok, ça a totalement changé. D'ailleurs, en parlant de passes de combat, je vais vous faire un concours pour gagner 3 passes de combat sur mon Instagram. Je vous mettrai mon Instagram en description.
Je vous ferai une vidéo de toute façon pour vous dire et tout. Mais vraiment, allez dessus, je vais bientôt vous faire le concours. Je sais pas, je verrai quand je le fais. Peut-être demain ou peut-être aujourd'hui, peut-être, je sais pas. Donc je verrai les féros. Soyez actifs sur mon Instagram et abonnez-vous aussi à cette chaîne aussi, c'est important les féros. Du coup, premier skin, bien évidemment, on l'a vu, on le possède. Par contre, j'ai pas compris au niveau des étoiles. Ok, on peut acheter, dépenser des étoiles pour recevoir des récompenses, monter au niveau, pour acheter des étoiles de combat. Ok, d'accord, en fait, quand tu augmentes de niveau, t'as des étoiles de combat, d'accord. Ah oui, d'accord, t'as des torches trop. Mais what? Par contre, les mecs, les gens, par contre, c'est vraiment les meilleures danses, hein, par contre, hein, c'est abusé. C'est trop stylé, les frérots. Mais une petite traînée comme ça, putain, elle est stylée d'ouf. Petite V-Bucks, ok, sac à dos. Même le sac à dos, mec, il est en vrai, il est bien, ouais. En vrai, pour l'instant, la première page, il est trop nickel, frère. Elle est trop nickel. Elle est trop bien. Même le skin, en vrai, ça va, tu vois. Il me fait penser à Avatar, tu vois. Mais la danse, elle est trop sien, ouais. Elle est trop stylée, d'autres, j'aimerais trop la voir. Ok, deuxième page, FRO. Du coup, on a encore des V-Bucks, mais évidemment. Outil de collecte. C'est un outil de collecte, ça. Il est stylé aussi, en vrai, je peux rien dire. Bon, celui-là, le skin, c'est pas non plus le mon kiff. Mais bon, j'aime bien son t-shirt. Petite musique et tout, c'est cool en vrai. Ouais, c'est cool, j'aime bien pour l'instant. Bon, après, on s'en fout du reste. Ok, une petite icône de bannière. Ah, petite traînée multicolore comme ça. J'aime bien, y'a. Bon, le stagado il pue un peu la merde, mais vas-y. Ok, danse. Squat et reste. Thunder. Je sais pas, c'est pas copyright, sinon je me fais copyright, Thunder. Non, on va, c'est cool. Ah, bah, du coup, on a un autre style. Du skin d'avant. Ok, ouais, il est beaucoup mieux celui-là d'ailleurs, il est beaucoup mieux, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ok, ils sont beaucoup inspirés du Independence Day quand même. Pour le gros vaisseau et tout. Oh! C'est quoi ça? Ah, what the fuck, frère, what the fuck? Oh, comme on a un skin lapin carrément. Alors lui, je sais pas d'où il vient. Lui, il s'est peut-être perdu en chemin au niveau des extraterrestres et tout. Mais ouais, c'est stylé, ouais. J'aime bien, putain. What? C'est pour qu'on dirait, il y a des panneaux bizarres par contre. What the fuck? Ok, petite pioche. Oh, ouais, stylé. Elle est basique, elle est stylée, ouais, j'aime bien. Ok, du coup, page 5, c'est parti. Ok, du coup, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on va voir le skin. Ok, oh. On a un skin plutôt stylé. Avec des tatouages et tout. Petit revêtement. Oh là. Normal. Petit sac à dos. Bon, c'est pas plus le meilleur sac à dos du monde. Oh, j'aime bien la traînée par contre. C'est... Oh. Et par contre, ça, je la veux bien celle-là. Oh, ça, je la veux trop. Cette traînée, elle est trop si. De fuck. Des petites V-Bucks. 100 V-Bucks. Voilà. Des petits outils collect encore une fois. Petite pioche. Ok, nickel. La petite danse. On va voir. Salut Vulcain. Bon, ça je comprends pas trop dans l'histoire, mais vas-y, oh, c'est une danse appropriée, je pense, à l'histoire. Ok, du coup, on a encore un sac à dos animaux. Putain, c'est cool, ils ont renouvelé comme ça les sacs à dos animaux. Animal, tu vois. C'est cool. C'est vraiment cool. Ok, autre skin. Ah, c'est une danse. Ah, c'est une danse, d'accord. Ah, oui, carrément. Ah, carrément. Mais c'est stylé de ouf. Mais c'est stylé de ouf. Tu peux changer de skin. Mais c'est trop stylé, frère. Il y a des émeutes légendaires carrément. C'est trop stylé. Ok, bon, ça c'est quelque chose comme ça. J'aime pas trop. Hein. Non, c'est pas beau. Hein. Ok, petite pioche et tout. Et je trouve pour ce pass de combat, ils sont dépassés, hein, putain, quand même. Hein. Ils ont fait des trucs de ouf. Ah, ça je l'aime bien, ouais. Vous allez me dire, ouais, il est pas beau et tout. Mais en vrai, ça va, tu vois. Il impose, tu vois. Tu vois, il est imposant, tu vois, mec. Donc ça va, tu vois, le petit sac à dos, alien. Il est la petite pioche, j'aime bien. Ok, à traîner. C'est pas ma préférée non plus. On a quoi? On a un planeur. Ok, ça c'est planeur vraiment extraterrestre, c'est cool, putain. Et ils ont vraiment renouvelé, hein, putain, c'est abusé. Oh, on a un petit ski, bon ça j'avais dit avant, il était pas beau, mais en vrai ça va, ça passe quoi. Ça va, ça va. Les sacs à dos comme ça, j'aime pas trop, hein, c'est trop gros. Vraiment, c'est pas mon style en tout cas. Ok. Alors ça, c'est la pire traînée que j'ai vue pour l'instant. Elle est pas ouf, hein. Elle est pas très ouf, hein. J'aime pas trop, genre avec les trucs sur le bras et tout, j'aime pas trop. Ok. Oh. Eh, mais les outils de collecte, putain, ils sont dépassés, c'est abusé. Elle est trop bien, il est trop bien, cet outil de collecte, putain. La vie. Ok, encore accessoire, ça j'aime bien, si ça cadeau comme ça, c'est stylé. Ok, petit planeur, de nouveau. Basique, voilà, simple, efficace, bien. Des petites V-Bucks encore une fois. Qu'est-ce qu'on a encore? On a un style. Il est beaucoup mieux ce style, hein, par contre.
Et je l'aime beaucoup mieux ce style. Ok, on a quoi encore? Une petite emote. Transat, voilà, pose détente, magnifique. Ça c'est trop bien ça pour les courts-métrages ça. Putain, elle est bien ouais. Petite V-Bucks encore une fois et encore un style. Il y a beaucoup de style quand même. Hein. Il y a beaucoup de style. Ça change pas non plus trop, mais ça va, c'est cool en vrai. Ouais. C'est cool, j'aime bien. Ok, une petite musique. Ok, vous pouvez l'écouter vous-même. Des V-Bucks et un petit revêtement. Voilà, nickel pour la page 9. C'est parti pour la page, la dernière page du pass de combat. Et on aura fini à. On passe sur Rick, bien évidemment, les gens. Je penserais vraiment pas qu'il y ait Rick dans ce pass de combat. Ça m'a étonné. En plus, il est trop bien fait. Il est trop bien fait, putain. Ils l'ont fait à la perfection. Avec les petites calvitie, on connaît, hein, écoute. Hein. Putain. Ah bah oui, avec son sac à dos mythique, mais c'est trop stylé, putain, ils ont tout bien fait. Ah. Bon, ça, je connais pas la danse de Rick, hein, ça, je connais pas. Hein. J'ai jamais regardé vraiment Rick, mais je connais le nom, tu vois, et je connais un petit peu quelques épisodes, tu vois. Ok, petite pioche, mais c'est trop stylé, hein. Eh, mais c'est vraiment trop stylé, ils se sont dépassés, putain. Petite émoticône, voilà. Et c'est fini pour ce pass de combat. Qu'est-ce que c'est magnifique! N'hésitez pas aussi, bien évidemment, si vous avez acheté Passe de Combat, avant de l'acheter, mettez bien le code créateur Air Force dans la boutique. Ça fait plaisir, mettez bien le code créateur, voilà, ça me soutient énormément. Et voilà. Du coup, voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu ce petit Passe de Combat. D'ailleurs, en arrière-plan, on voit déjà bien le décor déjà de la map. J'ai hâte de faire de jouer sur cette map, c'est abusé. Ben évidemment, après je serai en live normalement si ça se trouve, je suis déjà en live normalement. Donc allez sous live si vous voulez. Du coup là je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner, mettre le petit like, mettre la petite cloche des notifications. Et on se trouve pour un prochain live ou une prochaine vidéo les gens. C'était à force, portez-vous bien les frérots, ciao tout le monde.